Aujourd'hui, je rappelle que nous avons trois célébrations qui se rencontrent.
la segregazione de la Concorde, parce qu'aujourd'hui, nous sommes 50 jours après la PACA, après le 20 avril. Nous sommes aussi à la célébration de la journée de l'enfance et nous sommes à la célébration de la journée mondiale de prière des jeunes baptistes du monde regroupés à travers l'Alliance baptiste mondiale, une organisation de plus de 240 millions de baptistes à travers le monde, sortis dans des centaines d'unions d'alliances et de conventions baptistes. Et pour vous saluer de façon spéciale, nous espérons que si vous connaissez déjà le Seigneur Jésus-Christ, que vous continuez à le servir et que votre passage ici à Port-au-Prince soit un succès et une réussite. Mais si vous ne le connaissez pas encore, c'est le moment même aujourd'hui eh bien, d'offrir le gouvernail de votre vie par le Saint-Esprit à Dieu qui vous a créé et à Jésus-Christ qui s'est donné pour vous sur la croix. Et nous demandons à Maïso Spéchal de bien vouloir jouer pendant que vous êtes dans cette position verticale une musique spéciale pour vous. Nous allons maintenant vous donner quelques annonces. Alors, et premièrement, je vous rappelle que l'heure est un engagement personnel et individuel. L'heure est un engagement collectif pour que nous ayons la sûreté, la sécurité et la surveillance nécessaires. Et l'Église est maintenant dans un désert et les quatre pans de l'Église sont accessibles à des intrus. Donc voilà pourquoi nous avons besoin de la manifestation, de la solidarité agissante, individuelle et collective. Donc voilà pourquoi je rappelle que depuis lundi soir, nous avons
des brigades de surveillance. Les sœurs viennent prier, les frères viennent surveiller. Donc, inscrivez vos noms, couchez vos noms sur des listes pour que dans les roulements, nous ayons toute la provision nécessaire. Mais aussi, nous attendons votre contribution en argent et en espèces. Et donc, pensez pour nous parce que la situation que nous vivons est une situation très, très difficile. Nous avons besoin de la nourriture pour ceux qui surveillent. Nous avons besoin de l'argent, certainement, pour encourager plus d'un. Nous avons besoin de la solidarité agissante, individuelle et collective. Donc, pensez à ce niveau, mes frères et mes sœurs et Christ. Je vous rappelle que là, sur ce piano, il y a une petite boîte pour recevoir les allocains. Les allocains, c'est-à-dire 20 corps, 10 corps, 50 corps et 20 dollars et un bout. Donc, vous savez que nous sommes en train de réformer tous les allocains, 5 corps, quel que soit ça, qui est depuis ces allocains que vous voyez, depuis ces mondains en pièces que vous voyez. On m'a dit, mettez là dans une petite boîte ça pour nous. Et lorsque nous aurons un sac, eh bien, nous apporterons tout cela à la Banque centrale pour voir combien que ça va nous donner. Donc, tout petit moment, on n'a pas besoin pour aller dans la quête au barou. On n'a pas besoin de diéter au Médini. Et nous avons là une caisse pour les recevoir, s'il vous plaît. Et espérons que, par exemple, nous allons aller avec une caisse monnaie dans la main de santé au bar. Déposer, comme on dit, les démettre 5 gouttes, les démettre 1 gouttes, les démettre 10 corps, les démettre 20 corps, les démettre. Et quel que soit ça que lié à. Et je rappelle que, à cause de la situation que nous vivons, l'heure de nos cultes est modifiée de 30 minutes en plus pour le matin. Les cultes commencent à 6h30. Et nous demandons à nos frères et sœurs qui viennent de Saint-Germain, qui viennent, etc. Donc, faites en sorte que vous venez en groupe, s'il vous plaît, ne venez pas de façon isolée. Donc, le culte des 6h, le culte, le premier culte commence à 6h30, et par conséquent, le deuxième culte à 9h30, et puis le culte du soir, c'est 30 minutes, et de Pâques. Donc, voilà pourquoi ce mardi, vers 4h30, nous aurons la passage de chant et à 5h, débutent les études bibliques. Et mercredi, nous aurons la réunion pour les futurs baptisés, l'examen de baptême à 10h. Et puis jeudi, nous aurons la réunion de croyants à 4h. Et puis à 5h, la réunion de prière de l'église. Et ce dimanche, nous aurons les 3 cultes ordinaires, mais dans la soirée, c'est la jeunesse qui est responsable de ce culte. Et puis dans la matinée, nous aurons les 2 cultes.